Vous accueillir, vous dire bienvenue. Pour ceux que je ne connais pas, je suis Nathalie Jaubert, je suis la responsable adjointe de l'équipe RSE. Et on est très contente de vous accueillir pour cette troisième conférence du cycle BNP Paribas et les objectifs mondiaux. Pour les fidèles, donc, vous savez qu'il y a eu une première conférence sur la présentation générale des objectifs mondiaux, une qui était liée à Vivatech sur l'innovation, une sur la ville durable. Et donc aujourd'hui, suite aux ODD que vous avez choisis, la présentation portera sur l'objectif zéro faim. Donc, la conférence est censée durer à peu près une heure, mais bon, on était aussi censé commencer à écart, donc ça durera une heure et quart environ. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de vous donner sur cette ODD zéro faim différents points d'entrée sur la question. Et donc, on a choisi plusieurs intervenants dont on espère que les vues seront complémentaires. Alors d'abord, Pierre-Marie Aubert de l'IDRI qui va nous présenter le point de vue de la recherche. Puis Émilie Martin de CARE France, qui, vous savez, est une association partenaire de notre fonds Urgence et Développement, qui va nous expliquer comment une ONG répond aux enjeux de malnutrition. Puis Barbara Galli de McCain Continental, qui, elle, va nous parler de comment une grande entreprise prend en compte ces sujets d'agriculture durable et d'alimentation. Et enfin, Stéphane Martinez de Moulineau, qui est un voisin, qui nous expliquera quelles solutions concrètes, lui, il a développées pour améliorer la gestion des sujets liés à l'alimentation et aux déchets. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Pierre-Marie Aubert. En fait, l'IDRI, comme vous savez peut-être, c'est une institution avec laquelle on travaille beaucoup. Aujourd'hui, Pierre-Marie va expliquer, mais il fait partie du programme Agriculture et Alimentation. Et l'objectif de ce programme, c'est d'étudier les interactions entre le développement agricole, la sécurité alimentaire et la conservation de la biodiversité. Donc, je te laisse la place. Donc, c'est la première présentation. Bien. Bonjour à tous. Donc, comme Nathalie a dit, je suis Pierre-Marie Aubert. Je coordonne le programme politique publique pour l'agriculture en Europe. Et donc, la question à laquelle je voudrais apporter des éléments de discussion, pas de réponse, pas cette prétention. Hein. Transformer les systèmes alimentaires en Europe pour atteindre l'ODD 2. Quel est le rôle des acteurs financiers? Quel rôle pourrait-il jouer? En l'occurrence, des acteurs comme vous. Alors, il faut que je trouve comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ODD 2, l'objectif de développement durable, zéro faim? C'est pas que zéro faim. Alors, il y a 5 objectifs de résultats. Mettre fin à la faim, très bien. Mettre fin à toute forme de malnutrition. On verra que c'est pas la même chose. Doubler la productivité des petits agriculteurs, notamment par la sécurisation de l'accès à la terre et au foncier. Développer des systèmes alimentaires durables, résilients et du coup qui permettent le maintien des écosystèmes et de la biodiversité. Déficit d'investissement important, principalement dans les pays du Sud. Corriger et limiter les distorsions de concurrence sur les marchés mondiaux au niveau agricole, ça vous concerne peut-être un petit peu moins. Troisième élément, ça vous concerne très directement, assurer le bon fonctionnement des marchés de commodités et notamment des produits dérivés dans un contexte post-2008-2010 où une partie de la crise des prix alimentaires a été imputée par le G20, la FAO et l'IFPRI, notamment à une dérégulation des marchés de produits dérivés issus des commodités des commodités agricoles. Voilà. Alors, en général, quand on parle de mettre fin à la faim, on pense aux pays du Sud, problème d'insécurité alimentaire. Moi, je vais vous parler d'Europe, et je vais essayer de vous illustrer ici en quelques mots pourquoi l'ODD2, il a du sens aussi pour l'Europe. D'abord, la sous-alimentation, elle reste assez présente en Europe, même si elle est faible. L'exemple qu'on peut donner, c'est qu'en France, on a encore 6 millions de personnes qui sont considérées en insécurité alimentaire. C'est les données que fournit ATD Quart Monde. La malnutrition, beaucoup plus problématique, un enjeu de santé publique aujourd'hui, la multiplication de ce qu'on appelle les maladies chroniques non communicables, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, dont il est relativement bien démontré qu'elles ont un lien direct avec les transformations des comportements alimentaires, et notamment avec l'augmentation de la part de protéines animales, du sucre et la diminution des apports en fibres. Troisième ODD, vous rappelez, doubler la productivité des petits producteurs en lien avec la sécurisation de l'accès au foncier. La question de l'entrée des nouveaux entrants dans le secteur agricole, de la renouvellement des générations et de l'accès à la terre, en Europe,
en France particulièrement, est un vrai enjeu aujourd'hui sur lequel on a besoin d'agir. Les pratiques agricoles, vous le savez certainement, affectent de manière importante, même si des choses bougent, les écosystèmes. Hein, on peut donner des chiffres agrégés au niveau européen. Selon les pays, moins 30 à moins 40% en moins de 20 ans sur la diversité des oiseaux sur les fermes. Moins 30%, moins 80% des insectes volants sur les 10 dernières années dans les milieux agricoles en Allemagne. C'est extrêmement fort et ça mérite qu'on s'y arrête. Dernier aspect, la question de l'agro-biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça inclut et de où sont les enjeux, mais vous voyez assez bien avec ces quelques chiffres. Hein. Je prends le cas de l'Allemagne, parce que c'est les chiffres que j'avais sous la main. 75% des plantes cultivées jusqu'au milieu du 20e, ont disparu. Petite erreur de frappe. Et 50% des espèces animales qui étaient élevées en Europe jusqu'au milieu du 20e sont menacées d'extinction. Donc ça, c'est des données assez claires qui sont liées en fait aux transports et par heure de travail. Spécialisation des exploitations, avec des spécialisations des régions aussi, avec des régions de grande culture, des régions d'élevage, des régions de maraîchage, et du coup une dissociation progressive des systèmes de culture, et concentration, et en particulier concentration foncière. Ces transformations-là, elles ont été accompagnées par des changements technologiques qui ont été essentiellement très ciblés, c'est-à-dire des innovations technologiques orientées produits plus que systèmes, et structurées par une logique monocritère, en l'occurrence ici, accroissement des rendements, sans tenir compte spécifiquement de la question des maladies, de la question de l'évolution des conditions et éventuellement, j'y reviendrai, de la question du niveau d'intrants. Le raisonnement par exemple, sur la sélection variétale, que ce soit animale ou végétale, ça a été de se dire, si on met le maximum d'intrants, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme maximum de rendement? Or, aujourd'hui, la logique dans laquelle on est, c'est plutôt de diminuer nos intrants. Donc ça veut dire qu'il faut aussi repenser les logiques de sélection variétale. On pourra y revenir si vous le souhaitez en discussion. Alors, en parallèle de ça, la transformation des filières agroalimentaires, une commodification qui a explosé. Hein, on standardise de plus en plus les produits en amont pour pouvoir rendre les producteurs et les fournisseurs interchangeables. Un allongement, une complexification des filières agroalimentaires, une segmentation croissante des marchés. Et aussi, je n'ai pas trouvé de terme substantif pour le dire simplement, mais en tout cas, une part des produits de plus en plus transformés dans les assiettes et dans les supermarchés, et avec notamment des effets nutritionnels extrêmement importants. Ça, c'est assez bien démontré. Hein, la viande que vous achetez, que vous mangez transformée, a des effets beaucoup plus délétères sur votre santé que la viande que vous préparez vous-même à la maison après l'avoir acheté sur le boucher. Ça, c'est donné au OMS. Là-dessus, il n'y a pas trop de discussion. Et par ailleurs, évidemment, aller de pair avec ça, une transformation massive des comportements alimentaires, avec d'un côté une surconsommation, on consomme 30 à 40% de calories en trop, 100% de protéines en trop, quasiment 50% de graisse en trop, et un déséquilibrage, on consomme quasiment 80% pas assez de fibres. Ça, c'est déterminant. Et là, on a un effet de rencontre entre une offre qui s'est restructurée sous l'effet des transformations dont j'ai parlé, et d'une demande qui, elle aussi, a bougé. On parle de quatrième transition nutritionnelle. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Alors, face à ces transformations-là, et par rapport à l'ODD2, la transition agroécologique, telle qu'elle est portée aujourd'hui par le gouvernement français comme un modèle pour la France et potentiellement comme un modèle pour l'Europe, c'est en tout cas la position qu'on adopte dans les négociations sur la réforme de la PAC, peut être une réponse. En tout cas, c'est ce que j'aimerais essayer de vous montrer ici. Alors,
Je me rends compte que j'ai terminé un peu trop tard cette présentation, j'ai laissé définition au lieu de l'écrire, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, on a un cadre légal pour la transition agroécologique qui nous dit que la transition agroécologique, alors je ne connais pas la définition par cœur, donc je vais faire quelques approximations, vous m'excuserez, mais qui nous dit que c'est une transformation des systèmes agricoles permet par ailleurs le renouvellement des écosystèmes et du coup de la production agricole à moyen terme. Alors, si on se donne ce cadre-là et si on dit qu'il faut transformer les systèmes agricoles pour aller dans cette direction-là, ces changements de pratique qui sont indissociables par ailleurs de changements massifs dans les comportements alimentaires. Hein, on sait très bien aujourd'hui que la part des protéines animales dans la diète européenne, on va dire occidentale, est trop importante, à la fois pour des enjeux de santé et à la fois pour des questions de production globale. Si ce régime alimentaire venait à être généralisé, les écosystèmes planétaires ne suffiraient pas à fournir la demande. Par ailleurs, on sait aussi qu'on a besoin d'une transformation profonde en amont comme en aval des filières pour que la transition des pratiques agricoles ait lieu. En amont, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on veut une vraie transition dans les pratiques agricoles, il faut que les agriculteurs aient accès à un matériel génétique qui correspond au changement de pratique, c'est-à-dire qui est en capacité de faire face à une diminution des intrants, à un changement des pratiques important. Et en aval, il faut notamment qu'on ait des distributeurs et des transformateurs qui s'adaptent à l'évolution des qualités qui vont venir. La standardisation des produits dans une agriculture convertie à l'agroécologie, ça ne se passe pas de la même manière. On ne peut pas avoir des pommes calibrées de la même manière dans une démarche agroécologique et dans une démarche agro-industrielle telle qu'elle est la nôtre aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit ça, on est en train de dire qu'il y a quand même un besoin d'action publique assez importante. Demain, on veut aussi investir dans une agriculture de qualité, dans des filières de qualité. Mais c'est aussi le divest. Il faut désinvestir des actifs peu durables. Il faut désinvestir, ça c'est une première chose, mais il faut aussi penser à la reconversion des opérateurs desquels on désinvestit. Si je prends le parallèle avec l'énergie, que vont nous dire les centrales à charbon et tous les actifs avec les emplois qu'il y a dedans, eh ben, c'est la même chose. Si on reconfigure, si on transforme, si on désinvestit de l'agro-industrie, les systèmes agro-industriels dont les effets sont considérés comme, enfin sont prouvés comme étant négatifs, qu'est-ce qu'on fait ? Comment, par exemple, dans le cas français, hein, qu'est-ce qu'on fait d'une partie de l'agriculture bretonne dont les impacts environnementaux sont conséquents? Si on désinvestit de certaines formes d'élevage qui ont des impacts trop importants, il faut réinvestir dans d'autres formes d'agriculture qui vont permettre de réemployer ou de trouver des transformations pour ces opérateurs-là. Jusqu'à présent, ce qui apparaît clairement quand on fait le bilan sur le secteur énergétique, c'est qu'on a une logique de gestion de risque qui domine du côté des acteurs financiers. Donc le désinvestissement comme le réinvestissement est quand même lié à une logique de minimisation du risque au niveau du portefeuille. Et du coup, on a des situations qui sont relativement paradoxales. Avec d'un côté, effectivement, on investit dans le renouvelable, mais il y a un effet essentiellement d'additivité, plus que de substitution aux énergies fossiles, et on continue d'investir massivement dans le fossile. Et donc le rapport investissement sur désinvestissement, il n'est pas encore assez fort pour fournir un vrai effet de levier vers une transition structurante. Donc il y a encore des choses à faire. Alors, si on regarde maintenant, si on se concentre sur le système alimentaire, et si on se fait un tout petit peu plus concret, il y a au moins trois niveaux d'intervention possibles. D'un côté, il y a la moins agricole, hein, je l'ai
dit, il y a un enjeu d'innovation technologique qui est très fort vers la sélection variétale bas intrants, vers la lutte intégrée, vers le développement du biocontrôle. Là, il y a besoin d'investissement, il y a besoin de ressources pour les opérateurs de l'amont pour développer ces choses-là sur des marchés qui sont aujourd'hui peu porteurs. Il y a une prise de risque qui est assumée. Et si ce n'est pas les opérateurs financiers qui permettent de le faire, bon, ce n'est pas qui. Et on serait preneur de toutes sortes de discussions avec ceux d'entre vous qui sont intéressés et concernés par ces sujets-là. La production agricole, le maillon du producteur, c'est peut-être le plus compliqué. Et je voudrais terminer par quelques éclairages. La situation actuelle, quelle est-elle aujourd'hui en France et en Europe? Première chose, une augmentation de l'intensité capitalistique des exploitations agricoles et du taux d'endettement. Ça, c'est assez important, hein, 90-2010, plus 10 à plus 15% d'augmentation du taux d'endettement dans les exploitations agricoles en France, pour donner un exemple. Avec deux enjeux, à mon avis, clés pour les 5 à 10 prochaines années. Le financement de la transmission, 55% d'agriculteurs européens ont plus de 55 ans, avec aujourd'hui un prix du foncier qui s'envole, donc des besoins d'investissement, si on reste dans des logiques de rachat de foncier, qui sont extrêmement forts, quel opérateur financier va pouvoir supporter ça? Et deuxièmement, de modernisation, même si derrière la modernisation, il y a énormément de controverses. Mais il y a probablement aujourd'hui une dose d'innovation qui est nécessaire pour aller vers une transition agroécologique qui suppose des investissements. Là, il y a un rôle pour les acteurs financiers. Aujourd'hui, l'agriculture, de manière générale, elle est massivement financée par le crédit bancaire. Et plus des trois quarts, même si les chiffres ne sont pas très précis et que tout le monde se tire un peu dans les pattes pour savoir quel est le bon chiffre, en tout cas, une part extrêmement importante de ce crédit bancaire dans le milieu agricole en Europe est octroyée sans garantie, ou alors avec une garantie qui est le foncier. C'est-à-dire la propriété du foncier ou la sécurité foncière permise par les régulations foncières permet aux banquiers, aussi par des jeux d'interconnaissance de ses clients, de prêter de l'argent sans exiger de garantie trop forte. Néanmoins, une forte hétérogénéité à l'échelle européenne qui est liée à la fois aux formes d'agriculture et aux modalités d'accès aux fonciers. Je suis en train de dépasser mon temps, donc je ne développe pas là-dessus. Il nous semble, nous, à l'IDRI, qu'il y a deux enjeux en parallèle sur ces questions d'investissement dans le secteur agricole, dans le maillon de l'exploitation agricole. Le premier, c'est si on considère les agricultures familiales, qui constituent encore aujourd'hui la majeure partie de notre agriculture, mais c'est en train de bouger, et qui est massivement financé par le crédit bancaire, est-ce qu'il y a une possibilité, c'est une question ouverte, d'introduire des formes de conditionnalité en termes de durabilité environnementale et sociale dans le crédit bancaire? Aujourd'hui, la conditionnalité, elle est essentiellement en termes de business model. Est-ce que toi, agriculteur à qui je prête, moi, ton banquier, tu es capable de m'assurer que tu vas rembourser? C'est quoi ton business plan? C'est quoi ta capacité de remboursement à 3 ans, à 5 ans, à 15 ans? Là-dedans, il n'y a pas d'enjeux environnementaux, il n'y a pas de conditionnalité sur ces questions de transition agroécologique. Est-ce qu'on peut les introduire? Est-ce qu'on peut créer un conseil bancaire qui va accompagner des business plans qui intègrent ces enjeux-là? Nous, on n'a pas la réponse. On est preneurs de discussions avec les acteurs comme la BNP. Dans les formes sociétaires qui se développent de manière importante, mais très très mal connues, il y a un ouvrage qui vient de sortir sur la question, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier, si on regarde les formes sociétaires telles qu'elles se développent, il y a d'une part des investisseurs institutionnels qui émergent. C'est particulièrement le cas en Europe du Nord et en Europe de l'Est. La question, c'est ces investisseurs institutionnels, comment est-ce qu'on cadre leurs investissements et comment on organise la transformation organisationnelle que ça implique dans la gestion des fermes. Quand une ferme est plus gérée vaste, plusieurs milliers d'hectares, avec du coup
une responsabilité sur la transition qui est forte. Qui finance ces entreprises de prestation de services et comment est-ce qu'on peut accompagner des entreprises de cette nature-là dans une logique vertueuse de transition agroécologique? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Voilà, j'en termine avec cette présentation. Est-ce qu'on pense à la réaffectation des terres, notamment au changement d'alimentation, on a peut-être besoin de moins de blé, de moins de soja, si on fait moins de nourriture carbone. Donc par rapport à cette question, hein, y a deux niveaux de réponse. Pour un niveau de réponse, c'est le fait que la PAC, entre les discussions en cours, il y a quand même cette ambition de conditionner au maximum le versement des aides à plus d'ambition de durabilité. Donc c'est le sens de la dernière communication qui a été proposée par la Commission il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Ça, c'est le premier niveau de réponse qui dit oui, il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là et qui ne relève pas des acteurs financiers, qui relève des politiques agricoles. Le deuxième niveau de réponse qui, là, renvoie la balle du côté est-ce qu'on fait trop de blé ou est-ce qu'on importe trop de soja ? La réponse est claire. Aujourd'hui, 60% du grain qui est utilisé en Union européenne va pour nourrir les animaux. Donc, y compris l'importation des tourteaux de soja, y compris les surfaces en blé massives qu'on a en France. Aujourd'hui, une tonne sur deux de blé qui reste en France, elle sert à nourrir du bétail. Donc oui, on a besoin de faire évoluer les régimes alimentaires. Ça, c'est des politiques alimentaires qui le feront. Et là, la place des investisseurs est moins claire. Je propose d'accueillir Émilie Martin, donc du pôle urgence de Carrefour France. Alors, CARE, vous le savez, c'est une des ONG qui est partenaire de notre fonds urgence et développement depuis 5 ans. C'est une ONG internationale qui a un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde et dont un des objectifs est de lutter contre l'extrême pauvreté et défendre l'accès aux droits fondamentaux. Donc là, Émilie va nous expliquer ce que vous faites sur la partie accès à l'alimentation et avec comme illustration un des programmes sur lesquels vous travaillez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc j'ai déjà eu la présentation de mon poste et de l'organisation. Et effectivement, je n'ai pas préparé de présentation, ce qui tombe très bien parce que ça va me permettre de compléter ce que l'IDRI a déjà présenté. Donc moi, je vais plutôt vous présenter la partie intervention dans des pays plus en voie de développement ou sujet à des conflits ou à des crises, puisque c'est vraiment dans ces contextes-là que CARE intervient. On mène des projets humanitaires, des projets de développement également, donc dans vraiment 90 pays à travers le monde, qui sont surtout des pays du Sud. Et nos interventions sont vraiment basées sur, en priorité, effectivement, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la vision que CARE aussi également a, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a comme objectif de développement durable de en fait, pour nous, constitue vraiment en fait la sécurité alimentaire. Et la plupart des ONG ont tendance, effectivement, à associer
beaucoup sécurité alimentaire, moyen d'existence pour élargir le champ des possibles. Donc ça, c'est vraiment sur nous notre conception en fait de la sécurité alimentaire qui est notre préoccupation majeure. Pour vous donner aussi un chiffre, à travers le monde, on est à 816 millions de personnes qui souffrent de la faim. La majeure partie de ces personnes habitent dans des pays en conflit. Et effectivement, dans les contextes dans lesquels on intervient, les blocages et les freins importants que nous avons, c'est effectivement les crises, donc les conflits qui, la plupart du temps, bloquent l'accès au marché pour les populations. Il faut savoir qu'effectivement, dans les pays dans lesquels on intervient, on est beaucoup sur des contextes déstructurés, c'est-à-dire déjà à la base pas très structurés, assez fragiles. 56% des populations que nous ciblons sont en zone rurale. Donc on est vraiment dans des systèmes qui reposent beaucoup sur l'agriculture. Vous parliez tout à l'heure de l'agriculture familiale. Les contextes dans lesquels on travaille, c'est essentiellement de l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire que les développement de leur propre petite agriculture. Donc, dans un premier temps, ça va vouloir dire avoir des interventions en sécurité alimentaire assez courtes. C'est par exemple l'image qu'on peut avoir assez régulièrement de distribution de nourriture. Mais c'est pas seulement les seules activités qu'on met en œuvre. C'est plus vraiment cette image-là, ça a beaucoup évolué et les ONG se reposent aussi de plus en plus sur les systèmes de marché et notamment sur des systèmes où on va distribuer par exemple de l'argent, donc on appelle ça du transfert monétaire, et c'est une façon pour les ONG de stimuler aussi l'économie locale. De s'assurer que les marchés arrivent à retrouver un certain dynamisme, mais à fournir ensuite l'alimentation nécessaire aux populations pour survivre. Donc ça, c'est vraiment sur des systèmes de projets assez court terme. Donc on a actuellement des projets au Yémen. Donc, c'est actuellement l'actualité avec le bombardement sur Sanaa, où les populations voient les prix des biens alimentaires passer augmenter de 68%. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse leur donner accès à ces biens alimentaires. Ça veut dire également aussi travailler sur identifier des semences qui vont résister par exemple à la sécheresse. C'est notamment, on intervient aussi beaucoup sur des catastrophes naturelles. Donc Cuba, on a vu effectivement les passages dévastateurs de l'ouragan Irma ces derniers mois, les effets dévastateurs que ça peut avoir en fait auprès des populations. On parle un petit peu moins aussi de la sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique, qui est plus invisible, mais qui du coup dure depuis 18 mois, qui touche 20 millions de personnes. Et dans ces contextes, on travaille aussi sur identifier des semences résistantes à la sécheresse. Donc on a tout ce panel d'activités qui à la fois répond à un besoin à court terme aux populations, à savoir leur donner accès à de la nourriture, soit via de l'argent, soit via des distributions en nature, et ensuite travailler vraiment sur les systèmes en place, de l'élevage à l'agriculture, à la pêche, en adaptant effectivement
selon les contextes. Donc on est assez actif sur l'ensemble de ces, voilà, de cette transition. On appelle cette transition entre urgence et développement. Là, c'est aussi au Cameroun, où là, on est sur un travail d'appui avec auprès de la société civile, des pouvoirs publics, à essayer d'identifier des filières agricoles pour appuyer ensuite de la génération de revenus. C'est aussi un élément un peu clé de notre intervention, c'est non seulement renforcer la résilience des populations, mais également travailler sur l'accès aux revenus de ces populations-là, puisque effectivement, à partir du moment où le contexte a été un peu déstructuré, le problème pour la population, c'est non seulement avoir des besoins immédiats satisfaits, mais c'est également travailler sur le revenu, puisque c'est ça ensuite qui va faire en sorte qu'il soit de plus en plus autonome. Donc c'est le projet qu'on développe à l'est du Cameroun. Donc voilà l'ensemble des interventions qu'on mène. CARE n'est pas centré spécifiquement sur la nutrition, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur le traitement de la nutrition, qui est une des causes importantes de la sécurité alimentaire. On va beaucoup travailler en coordination avec d'autres dans ces communautés-là qu'il y a une insécurité alimentaire chronique, avec pour objectif de renforcer les populations à ce qu'elles puissent faire face au choc. Donc on intervient, c'est vraiment assez varié en fait, on intervient sur des contextes de catastrophes naturelles. On est présent dans beaucoup de pays depuis des années et des années sur des problématiques plus de développement. Et dans ces pays-là, en fait, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, avec la société civile locale, avec les autorités techniques également, pour justement s'assurer qu'il y a une approche complètement intégrée et holistique en fait de la prise en charge de la sécurité alimentaire. Juste pour compléter, parce que pour vous ça va pas de soi, CARE c'est une ONG qui est très ancienne, qui date de l'après-guerre, de 1945, 40, ouais. Et c'est une ONG apolitique, donc vous intervenez partout, indépendamment des situations politiques ou religieuses des populations, ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une ONG partenaire de notre fonds, à la fois le fait que vous êtes mondiaux, anciens, et que vous intervenez de façon indifférenciée vers des populations différentes. Oui, c'est ça, on a un mandat humanitaire, on respecte les principes, les quatre principes de la Croix-Rouge qui sont indépendance, neutralité, humanité et impartialité. C'est effectivement le cœur de métier de l'ONG, effectivement. Oui. D'accord. De MSF, d'Action contre la faim, de la Croix-Rouge ou autre. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un état de fait? Non, ce n'est pas un choix. Non. Une ONG plutôt
agissant différemment en fait des autres partenaires, c'est quand même un peu plus difficile. Après, on travaille beaucoup à améliorer la visibilité de CARE. Donc, on est régulièrement présent dans les médias, notamment pour faire du plaidoyer sur l'accès humanitaire, sur le changement climatique, etc. Donc, on essaye de développer la partie visibilité auprès du grand public. Oui. Ah, il y a une question. Oui, bonjour. Merci bonjour. Pour votre intervention. Moi, j'ai deux questions. La première, quelle est la dotation annuelle consacrée par CARE à vos projets? Je parle bien de dotation annuelle allouée aux projets et pas de votre budget. Et deuxième question, existe-t-il des interactions avec la Banque mondiale, le PAM ou l'IFC? Oui. Alors, première question, la part des fonds directs qui vont au projet, c'est ça? On est de l'ordre de, sur le budget total de CARE, on est de l'ordre de 90 à 92% qui vont directement sur le projet, sur les projets. Et pour votre deuxième question, on est... Pardon ? Au total, donc le budget de CARE, c'est à peu près 40 millions de CARE France. Hein. Là, je ne parle pas du réseau, je parle de CARE France. Donc c'est 92% de ces 40 millions. Et ensuite, pour les partenariats, effectivement, le PAM, c'est un acteur important, notamment dans les crises humanitaires, pour délivrer en fait les biens alimentaires. Et on travaille aussi beaucoup avec eux sur aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le transfert monétaire, donc de monétariser un petit peu l'aide humanitaire. La Banque mondiale, on travaille avec eux également sur des projets de développement. Donc là, dans des contextes beaucoup plus stables où on va travailler sur certaines filières de céréales pour développer les revenus, la rentabilité, la productivité de ces acteurs. Et l'IFC, par contre, est-ce que... C'est la filière privée. L'IFC, c'est la filière privée de la Banque mondiale. Ah d'accord, ok. Non, non. Moi, je suis plus sur la partie... Enfin, j'ai vraiment une expertise sur les projets humanitaires et pour lesquels en fait je m'assure qu'on assure la transition pour le développement ensuite. Et la Banque mondiale intervient beaucoup plus sur la partie développement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose de changer complètement de perspective sur le sujet et d'accueillir Barbara Galli, qui est responsable de la communication et de la RSE chez McCain, qui va vous expliquer, du point de vue d'une entreprise, comment on peut prendre en compte ces sujets d'alimentation durable. Alors, du coup, c'est la présentation. Ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Barbara et je vais vous présenter la stratégie RSE chez McCain pour l'Europe continentale. Et puisque je viens d'une grosse boîte, je suis quand même un peu obligée de vous présenter d'abord les chiffres. Parce qu'on adore ça, on adore dire qu'on est le leader mondial de production et transformation de pommes de terre, ce qui est vrai. On a un chiffre d'affaires qui correspond plus ou moins à 8,5 milliards de dollars canadiens, qui correspond à peu près à 6,5, plus ou moins, 6,4 milliards d'euros. 20 000 employés dans le monde et 51 usines partout dans le monde. Donc, on est présent dans 160 pays. Et ce qui est très important, c'est qu'on a un réseau d'agriculteurs partenaires. On les appelle vraiment comme ça. Agriculteurs partenaires, puisque il nous appartient pas, donc les champs de pommes de terre sont pas à McCain, mais on a quand même des relations très importantes et de longue durée avec eux. Si on passe à ce qui nous tient vraiment à cœur, on n'est pas américain. Ouais, on est américain, mais canadien. En fait, on est très fiers de cette origine-là, parce qu'en fait, tout le monde pense que McCain est très associé à la malbouffe, aux frites, et donc aux États-Unis. En fait, on est canadien et on est né en 1957 d'une famille, les frères McCain, qui ne sont plus là, malheureusement, mais les descendants sont encore là. Ils font partie du conseil d'administration de McCain et ils prennent encore les décisions. Donc,
Et l'autre chiffre sur laquelle j'aime bien me concentrer un peu, c'est les 1600 agriculteurs partenaires. Et donc, en fait, on est présent dans trois canaux principaux de distribution et de commercialisation, le retail, donc GMS, food service, les restaurants, et quick service, restaurant, donc McDonald's, Burger King et KFC. Vous connaissez peut-être nos produits, notamment dans les restaurants, c'est très compliqué de reconnaître une frite McCain, même si la qualité devrait vous donner quelques indices. Mais bon, c'est surtout au niveau retail que vous allez reconnaître, par exemple, les Just au Four, ici en France, les potatoes, les noisettes, Tradition et tout ça. Mais en fait, la question importante ici pour nous, c'est pourquoi on s'intéresse à la RSE. En fait, c'est une question que tous les responsables RSE dans toutes les boîtes vont se poser et vont se sentir poser plusieurs fois par jour même par différents membres de l'entreprise. En fait, pourquoi on a besoin de ça? On a vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que ça me rapporte à moi, dans mon département? Est-ce que ça va vraiment être utile pour la boîte? Parce qu'en fait, on n'est pas une ONG. On n'est pas une association, donc c'est pas, normalement, ce n'est pas au cœur de notre stratégie. Ben voilà, pour McCain, c'est exactement le contraire. D'abord, on est une boîte de transformation de pommes de terre. Donc, s'il n'y a plus de pommes de terre, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de McCain. On est d'accord. Donc déjà, ben, c'est pour notre survie. Hein. Deuxièmement, ça devient de plus en plus un moyen de différenciation par rapport à notre client et consommateur qui nous demande de plus en plus fréquemment de participer, d'être présent sur ces sujets-là. C'est aussi un moyen d'attirer les bonnes ressources de demain, les talents de demain. Les millennials sont très, très engagés sur des sujets liés à l'RSE. Ensuite, bien entendu, aussi, on se considère un acteur important de la transformation. On a, comme je vous l'ai dit, 51 usines dans le monde et 17 en Europe. Donc, on a quand même un impact qui n'est pas anodin sur l'environnement. On a 20 000 employés dans le monde, 4 400 en Europe. Et donc, ça aussi, ça veut dire quelque chose. On a des familles derrière nous. Donc, on s'engage aussi avec les engagements de la United Nations, les Sustainable Development Goals, un peu comme toutes les boîtes sont en train de le faire aujourd'hui. Mais on veut être aussi un acteur des changements et d'innovation par rapport à tout ça. Et surtout, voilà, l'RSE, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre boîte, parce que déjà, notre père fondateur, les frères McCain, ont dit « Good ethic is good business », et donc ils ont mis la stratégie RSE, qui s'appelle, en anglais, malheureusement, parce que voilà, on est quand même pas américain, mais quand même canadien, donc « Be good, do good », ça fait partie de notre stratégie au niveau corporate. Ça, c'est très important. Ça veut dire que chacun de nos 20 000 employés a, dans son STIP, donc dans son salaire, dans son bonus, les development goals qu'on a ciblés avec notre stratégie. La première, good agriculture. Voilà. Comme vient de le dire, comme on a déjà pas mal exploré le sujet, nous, on pense que l'agriculture, c'est essentiel aux besoins de demain, c'est essentiel aux besoins de McCain d'abord, mais aussi pour le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, déjà, on a un rapport très particulier et très engagé avec nos agriculteurs partenaires, 1600 en Europe, on a dit. Ces agriculteurs partenaires qui sont notamment concentrés là où il y a la production des pommes de terre, donc la production intensive de pommes de terre et aussi la transformation, donc les usines, nord de la France, nord de la Belgique, nord de la Hollande et en Pologne aussi. Donc, ces agriculteurs-là, McCain essaie de... déjà, on fait des contrats pluriannuels avec la majorité de nos agriculteurs partenaires, ce qui est très important, comme vous le savez. Vous savez très bien, pour l'accès au crédit, donc ça leur permet de grandir et de se développer. Et aussi,
aussi, on leur demande quelque chose en retour, en fait. Donc déjà, 5% de nos agriculteurs sont certifiés. La majorité, 80% plus ou moins, avec Global Gap, et les autres avec d'autres certifications plus présentes en Belgique, comme Végiplan et d'autres. Et bien sûr, on est très conscient de l'importance de la réduction des intrants. Donc on travaille beaucoup sur la réduction des pesticides et des fertilisants en général, nitrogène en particulier. Et comment on fait? Déjà, on réduit l'apport. Donc on essaie de trouver des techniques alternatives, donc des techniques plutôt naturelles. Par exemple, on utilise l'huile essentielle des menthes pour la conservation des pommes de terre au niveau de stockage. Mais aussi, on travaille, comme on l'a dit, par exemple, on a les stations météo qui, selon différents paramètres, sont capables de nous dire quand la maladie est en train de se déclencher. En fait, on a une probabilité plus élevée que la maladie de la pomme de terre, ça se déclenche. Donc, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'on va en jeter le pesticide sur la culture. On a aussi des expérimentations qui sont encore au niveau de tests avec des drones qui sont capables de détecter la maladie là, sur la plante sur laquelle elle est en train de se déclencher. Donc, on n'a pas besoin de mettre des pesticides sur tout le champ, mais ça suffit de les mettre là où la maladie est en train de se déclencher. Et voilà, de suite. Donc, on a vraiment beaucoup de... Et c'est encore des tests. Je ne peux pas vous dire que en fait, l'agriculture intensive, ça va changer d'ici 5 ans, mais on fait des tests pour essayer d'en arriver là. Et on travaille aussi sur la biodiversité. On a 10 fermes pilotes, 3 en France, 2 en Belgique, 2 en Hollande et aussi 2 en Pologne, sur lesquelles on essaie de récupérer, par exemple, les ruches d'abeilles ou de faire revivre la biodiversité au niveau des fermes. Faire de cultivation quand même intensive de pommes de terre. Donc ça, c'est très particulier. Voilà, en gros, je ne vais pas tout vous dire, mais un peu, c'est ça ce qu'on fait. Au niveau de opération, Good Operations, c'est en fait les usines. On en a 17 en Europe, je viens de le dire. Donc là aussi, on travaille sur Zero Waste Plant. Donc on a beaucoup de solutions pour la réduction de l'énergie, de l'utilisation de l'eau. Donc on recycle l'eau. On a des procès d'osmose inversée. Donc c'est très technique et très ingénieur. Des choses que je ne pourrais pas vous expliquer, mais en fait, en gros, ça de huile. Good Food, bien sûr, on est une boîte alimentaire, donc on a quand même besoin d'apporter une nourriture un peu plus saine. On parle quand même des frites, hein, donc voilà, c'est pas des légumes, c'est pas de la salade, on est d'accord. Mais comment on peut faire pour rendre le plaisir duquel on a quand même besoin avec les frites un peu moins difficile pour l'organisme? Et donc, déjà, nous, à partir de 2011, on utilise un mélange de huile de tournesol qui a, comme vous le voyez ici, 75% moins de gras saturés. Donc déjà, c'est pas mal pour la santé. On est complètement palm-free. All palm oil free. On a réduit aussi le taux de sel. C'est pas si facile que ça. En fait, tout le monde dit oui, mais pourquoi les boîtes, ils n'arrêtent pas de mettre du sel dans leur composition? Parce que le sel, c'est quand même la chose qui donne le goût au produit. Donc, c'est pas que pour les frites, hein, c'est pour tout le monde. C'est vraiment très très compliqué d'enlever du sel parce que on voit dans les tests aveugles avec les consommateurs que ça tombe immédiatement, la qualité, ça tombe immédiatement. Donc la perception du goût est plus la même. Nous, on a essayé de réduire le sel au maximum possible
avec des passages, des step-by-step approach. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à un taux de sel qui est, la moyenne est à 0,6 g pour 5 g de produit, qui n'est pas vraiment beaucoup. Et on le ressent parfois sur des tests en aveugle avec notre concurrent qui utilise encore du sel. Et c'est compliqué. Mais en fait, l'idée, c'est que nous, on veut apprendre aux consommateurs que c'est à eux de saler selon leurs besoins, c'est leur définition, et pas de présaler les pommes de terre en production. On travaille aussi sur clean labeling et allergen management, donc on va essayer de transformer, de arrêter tous les ingrédients qui ne sont pas reconnaissables par le consommateur, qui ne sont pas des choses que chacun de nous peut avoir dans leur propre cuisine. Et on va essayer de les remplacer pour des produits naturels. Donc ça, c'est des projets qu'on a en cours. Bien sûr, après, on a Good Company. Ça, c'est la partie RH, un peu comme tout le monde. Je dirais, nous, chez McKay, on a une particularité, c'est que on a un taux de turnover qui est très, très faible. En fait, les gens ne s'en vont pas. En fait, on a du mal à... Voilà. Et en fait, ça, c'est, à la limite, ce n'est pas plus mal. C'est très intéressant. C'est 6%, c'est vraiment très faible. Et très engagé aussi. 75% d'engagement, de taux d'engagement. Bon, c'est bien. Mais en fait, en ce moment, par exemple, on a un gros problème qui est que on a des gens qui sont chez McKinsey depuis 20 ou 25 ans même, et que dans 5 ans au moins vont partir à la retraite. Et on a ces gros problématiques de transfert des compétences et de know-how. Ça, c'est vraiment un pilier qui est spécifique à McKay. C'est un peu notre point de différenciation. Ça s'appelle Good Partner. Et je ne vous parle pas de food donation, je ne vous parle pas de ça, de travail avec les banques alimentaires, les donations qu'on peut faire, mais je vous parle vraiment de ce qu'on appelle les social business. Social business, c'est une définition qui vient de professeur Mohamed Younous, en fait, pardon. Donc, qui vient de professeur Mohamed Younous, prix Nobel pour la paix, et qui a défini le social business comme une entreprise, une vraie entreprise, qui a comme but de résoudre une problématique sociale ou environnementale, et qui est gérée, en fait, comme une vraie entreprise. Donc, avec tous les cash flows et tous les P&L et tous les choses importantes qu'on fait dans des boîtes. Donc, avec un business plan très costaud et très bien pensé. Mais en fait, l'idée, c'est que tout le revenu généré par le social business n'est pas renversé aux actionnaires, donc n'est pas renversé aux entreprises qui ont créé le social business, mais il est utilisé par le social business lui-même pour agrandir l'impact ou pour faire un scale-up et donc pour résoudre encore plus de problématiques sociales ou environnementales. Donc, nous, c'était la rencontre entre notre CEO, Jean Bernou, et Mohamed Younous qui a fait que, en fait, la boîte a suivi ça. C'est toujours plus facile quand ça vient du haut. Hein. Ça, c'est un peu normal. Et donc, je vous présente là, en fait, en conclusion de ma présentation, un exemple de social business qu'on a fait dans le Hauts-de-France. Je vous ai présenté ça parce que, en fait, on a d'autres social business plutôt liés à l'agriculture, au monde rural, mais c'est en Grèce, en Maroc et en Colombie. Là, c'est la France. Donc, je pense que ça vous parle un peu plus. C'est notamment dans les Hauts-de-France. Il y a une co-création entre différents partenaires, Leclerc, le distributeur Leclerc, McCain, Ranch
stades et les banques alimentaires. Et c'est un projet qui est né parce que, en fait, on s'est rendu compte que la majorité des productions de l'agriculture, en fait, sur les légumes notamment, est gâchée et utilisée comme pour le bétail, en fait, même si c'est encore parfaitement comestible et parfaitement bien pour l'alimentation humaine. Utilise des chômeurs de longue durée pour créer des soupes. Et la société qu'on a co-créée, ça s'appelle Bon et Bien, et elle est distribuée chez Leclerc. McCain aide la récupération des légumes et Randstad prépare un parcours de formation pour les gens qui sont employés chez Bon et Bien pendant un an. Donc ils ont un an de travail plus une formation, et à l'issue, Randstad les aide à se réintégrer dans le marché de travail classique. Donc ça, c'est un peu notre fierté, disons comme ça, notre exemple de social business Bon et Bien. Et en fait, on a été même fournisseur de l'événement de Younous à Paris, le 6 et 7 novembre, c'était le Global Social Business Summit de professeurs à Paris. On a distribué les soupes, donc on faisait partie du catering de l'événement. Et en fait, si après vous voulez regarder ou vous êtes intéressé par les social business, on en a d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Colombie, on en a au Maroc, on vient de lancer en Maroc, en Grèce, et vous pouvez les trouver sur notre website et aussi sur notre newsletter, blog et Twitter. Qui s'appelle Be Good, Do Good. Donc là, vous trouverez des choses qui sont, encore une fois, des choses qui sont très liées à l'RSE, pas forcément à McCain, donc très liées à l'agriculture, par exemple. Il y a aussi quelques articles sur McCain, mais c'est vraiment un blog général sur l'RSE, sur les problématiques notamment de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà, ça c'est encore... Je veux conclure avec les mots de notre père fondateur, Wallace McCain. Ça existe, ça c'est vraiment sa photo, c'est lui, hein. Je ne vous mens pas. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Peut-être qu'on va garder les questions pour tout à la fin, pour être sûr d'avoir le temps que les gens qui veulent repartir pour la nuit puissent le faire. Donc, ou pour tout à l'heure avec Barbara. Donc, on va complètement changer d'échelle. Puisque là, on va passer à une entreprise beaucoup plus petite et qui est vraiment une entreprise aussi qu'on a choisie parce que c'est une entreprise du quartier. Et donc, M. Martinez, vous allez nous expliquer comment, quelles solutions vous avez développées pour travailler autour de cette alimentation durable et du recyclage des déchets dans Paris et aux alentours. Bonjour. Ben moi, oui, j'ai créé une solution pour valoriser les frites McCain. Oui, comme vous l'avez dit, je suis... très bien. Petite entreprise, après McCain et après tout ce qui s'est arrivé devant, on parlait de social business. J'ai l'impression de me voir en photo noir et blanc dans votre présentation et au départ de cette aventure en ce moment, vous allez comprendre pourquoi. Cette aventure, elle a été créée par moi, qui suis issu de la troisième génération de restaurateurs. Alors, comme l'a dit Nathalie, oui, j'avais un établissement et tout a démarré rue Saint-Roch, 33 rue Saint-Roch, un établissement qui s'appelle Auberge Saint-Roch. La BNP est très forte dans cet arrondissement, donc il y a certainement des gens de chez vous qui sont venus déjeuner, dîner chez moi et passer des moments agréables et ont vu ma première expérimentation qui a été d'avoir fait un constat et de me dire que j'ai beaucoup de restes alimentaires qui vont dans ma poubelle. Je vous parle de ça, c'était en 2006. Et je me suis dit, tiens, quand j'ai vu où partait la poubelle, elle partait en incinération, en enfouissement, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des trucs à faire. Comment est-ce que écarter cette matière-là? On incinère une matière qui a 80% d'eau à l'intérieur. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc je suis parti un peu dans une idée un peu folle de me dire, ah ben, je vais valoriser une partie de mes restes alimentaires avec des vers de terre dans ma cave, puisque je m'étais aperçu aussi à un moment donné de ma vie que les vers de terre au Canada, d'ailleurs, on vit au
Canada. Les Canadiens étaient très forts et ils faisaient du lombricompostage. C'est-à-dire qu'ils donnaient les restes alimentaires, plutôt végétaux, à donner à manger à des vers de terre, qui faisaient un super engrais, et qui cet engrais allait dans les champs, qui leur permettait de réavoir des bons légumes. Bref, ils avaient un peu compris la boucle bouclée. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire pareil. Je vais valoriser. Donc j'ai acheté 10 kilos de faire avec mon frère. Et mon frère me disait, arrête de descendre, on a un boulot en haut. Donc bosse un peu et arrête un peu de parler de tes trucs. Donc j'ai adapté une boîte à gâteaux avec 150 vers de terre à l'intérieur pour montrer à mes clients ce que je faisais en bas dans ma cave, ça m'évitait de les descendre. Et j'ai remis au goût du jour le rond de serviette, mais avec mes boîtes à gâteaux. Enfin, c'est monté loin. Les clients avaient une boîte à gâteaux et en fin de service, je leur ouvrais la boîte, ils mettaient leurs tomates à l'intérieur, je la fermais, je la remettais en place. Donc beaucoup de questionnements de la part des invités qu'il y avait en face. Bien entendu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? Enfin bref, je me suis bien amusé et je me suis aperçu que cette petite boîte avait une vraie vertu pédagogique puisque je l'avais mis en place dans mon établissement. J'ai oublié de vous dire, je venais aussi d'enseignement. J'ai eu une carrière aussi pendant 15 ans où j'étais prof de tennis avec un diplôme d'État. C'est un autre métier, mais c'est un beau métier. Donc l'enseignement m'a dit aussi que cette petite boîte, c'est un bel écosystème, en fait, sans prédateurs. Et qu'est-ce qu'un ver de terre? Comment il vit? Quel est son rôle sur la planète? Pourquoi commencer à trier les biodéchets? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bref, et puis surtout, si les gens voulaient se lancer dans l'aventure du lombricompostage, c'était beaucoup plus simple d'avoir des petites problématiques à gérer que des grosses quand on en a. Parce que moi, mon outil, un écosystème sans prédateurs dans un resto en bas, dans une cave, automatiquement, vous avez des moucherons, par exemple. Les moucherons dans la cave, ils montent dans le resto. Et quand on est au mois de novembre, il y a les moucherons dans le resto, les clients, et je leur ai expliqué qu'il y avait un problème, que le changement climatique arrivait plutôt que prévu. Enfin bref, je leur ai raconté toujours une porte de sortie, mais bon, c'était un peu tendu. Et puis après, bon bref, l'aventure est arrivée, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. En gros, le parcours, le spectre est là, hein, j'ai 2008. Alors j'ai vendu cette petite boîte qui est ici, hein, bien sûr. Sur Internet, je m'étais fait un petit site de e-commerce, j'en ai quand même vendu 3500. Beaucoup d'enseignants, très bien, beaucoup de bobos écolos. Tiens, t'es écolo, tiens, boum, fais du lombricompostage, c'est un truc. Beaucoup d'associations aussi environnementales, très importantes, et beaucoup d'associations comme l'OPAC, qui je ne comprenais pas pourquoi ils m'achetaient la boîte. Mais en fait, ils voulaient rentrer dans des démarches de compostage en pied d'immeuble, mais qui se trimbalaient avec un gros composteur, c'était compliqué, donc se balader avec cette petite boîte, c'était beaucoup plus simple. Je m'interrogeais aussi sur les clients. En 2011, je rachète un autre resto, Passage Choiseul, pour ne pas le nommer. Et à côté, il y a un syndicat, trois générations dans la profession, j'ai de l'ancrage aussi avec les syndicats de la restauration. Et j'ai décidé d'anticiper un peu le contexte réglementaire, d'aller voir les syndicats, de leur dire, voilà, en 2016, vous allez beaucoup d'adhérents qui vont être confrontés à cette réglementation. Comment vous allez faire? Il y a des doutes, ça ne se fait pas tout seul, il faut accompagner les professionnels. Ils ont des doutes, est-ce que quand on va trier la matière, est-ce que ça va puer? Est-ce qu'on va avoir la place dans le local technique pour mettre une poubelle de plus? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette matière-là? Quand mon personnel, vous allez mettre en place tout ça, est-ce que le changement d'équipe, il va être bien fait? Est-ce que, enfin bref, est-ce que tous les doutes que pouvaient se poser les autres professionnels que moi, puisque moi j'avais mis en place une méthode autre. Je me suis dit, autant continuer, parce que je suis un peu entrepreneur, donc j'ai grandi. Et aujourd'hui, j'ai créé 26 emplois, j'ai monté la première plateforme de compostage en France, on peut dire, où on fait du compost. D'ailleurs, il y a des frites de McCain qui doivent terminer en compost, puisque je travaille avec McDo, Quick, KFC, tous ces gens-là. Donc, et voilà, on collecte à peu près plus de 5000 tonnes. L'objectif, bien sûr, il est environnemental, puisque, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, troisième génération de restaurateur, je refais un peu marche arrière.
Au début, je passais pour un hurluberlu, mais j'avais encore ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle me disait, mais mon chéri, tu sais, tout ça, là, tout ce que tu me racontes là, tout ce que tu veux faire là, ça existait déjà à mon époque. Il y avait les seaux à cochons chez nous, dans la restauration. Le pain, il partait en nourriture pour les chevaux ou pour les volailles. Le marc de café allait, les jardiniers venaient le chercher. Donc il y avait déjà des structures plus ou moins organisées, plus ou moins structurées, mais la matière, elle partait, elle était triée à la source. Donc l'objectif, une fois qu'on l'a trié à la source, bah, c'est de la valoriser, puisqu'aujourd'hui, on est capable d'en faire du méthane et du compost pour renouveler les sols. Donc, en gros, du gaz pour cuisiner et de renouveler les sols pour avoir des bons légumes. C'est une nouvelle filière avec tout ce que ça engendre. Donc, automatiquement, énormément d'emplois à créer et à former, parce que c'est ce que je fais. Et l'objectif est vraiment de sensibiliser tout le monde pour limiter ce gaspillage alimentaire. Et au lieu de jeter la nourriture, bah, ça circule et on en a besoin tous les jours. Bon, il y a une exigence réglementaire, je ne suis pas sûr que ça vous passionne, mais bon, je veux bien vous en parler. En gros, en 2016, c'était l'année dernière, le dernier seuil de la réglementation. Si vous étiez producteur de restes alimentaires, vous devez mettre en place le tri de cette matière-là pour une valorisation sous peine de 75 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Je ne sais pas ce que fait le gouvernement, il n'y a personne qui est en prison, il n'y a personne qui a payé. Pourtant, tout le monde est hors la loi. Mais bon, c'est pas grave. Ça j'y fais abstraction. De toute façon, en 2025, tout le monde devra le faire. Et je pars beaucoup plus loin que ça. Je me dis que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Quoi qu'il arrive, si on ne fait pas cette année, on le fera l'année prochaine. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'autre d'après. Mais quoi qu'il arrive, on va être obligé. Et c'est une nécessité. Alors, vous parliez de social business économique. Ben, moi, je me suis retrouvé là-dedans par hasard. Puisque quand j'ai démarré mon aventure, ben, j'ai acheté un camion, j'ai commencé à faire les tournées tout seul, puis après j'ai été chercher des emplois. Qui collecte les biodéchets? Qui a une formation? Personne. Non, j'ai été chercher des gars qui étaient au chômage, les premiers depuis longtemps, que j'ai pris, que j'ai formé, etc. Et l'aventure grandissante, à un moment donné, je racontais mon histoire et on m'a dit, mais t'es une entreprise, c'est solidaire, c'est pas possible, c'est merveilleux, t'as l'agrément. Je dis, j'ai rien du tout, moi, je sais pas de quoi vous me parlez. Et en fait, j'ai eu cet agrément social et solidaire naturellement, puisque les gens à qui je propose de venir travailler chez moi, je propose de les former, je leur fournis un CDI, donc je travaille avec des chômeurs de longue durée et des gens qui sortent de réinsertion. Beaucoup de gens de chez ARS. Et on leur propose, bien entendu, une formation qualifiante. Alors là, je suis en ce moment dans la formation qualifiante, en interne, puisque je veux que les gars qui rentrent chez moi, ben, ils sortent avec un diplôme des chauffeurs collecteurs de matières organiques, parce que je pense que c'est une filière qui a de l'avenir. Et voilà. Alors, notre cœur de métier, bien entendu, parce que je parle beaucoup, la première chose, c'est l'accompagnement. Quoi qu'il arrive, on rentre dans un établissement. Si un jour, on collecte les cuisines de la BNP, vous nous verrez. On viendra, on regarde comment ça fonctionne. L'existant, on propose à nos clients une solution, enfin voilà, avec des outils bien disposés au bon endroit, on ne fait pas n'importe quoi dans une cuisine, hein, attention, il y a une méthodologie HACCP. Et surtout, ce qu'on va faire, on va mettre les bons outils, ça va d'une poubelle avec un fond. Donc j'ai pris parti d'acheter des camions qui fonctionnent au gaz dès le départ. Donc j'ai une flotte de 15 camions. Qui fonctionne au gaz naturel de ville, et là j'en ai racheté 10, donc ça va en faire 25, ça fait beaucoup. En valorisation, ben, cette matière, on peut en faire du méthane donc, et du gaz, donc pour nous ça c'est sûr, du compost on l'a validé, ça c'est sûr, et on garantit à nos clients le fait que tout le travail qui était fait en amont par les opérateurs et le personnel, ben, nous on va l'emmener vers des unités où on va valoriser la matière. Donc on est transparent sur nos outils de valorisation, je pense qu'aujourd'hui c'est très important. Et il y a donc la méthanisation. Ah, mes camions. Alors, les petits camions me servent à Paris, milieu urbain, dense, beaucoup de parking, compliqué aussi. On travaille avec beaucoup d'hôtels de luxe et problématique pour les poubelles. Donc, on descend dans les sous-sols, on charge dans les sous-sols, on repart. Et j'ai le camion qui est tout en haut à droite, ça c'est, voilà, ça, c'est l'optimisation. C'est très bien, c'est un 7 tonnes. Là, on a passé à un système supérieur. On est passé avec la pesée embarquée dynamique sur l'EVBAC. Enfin, c'est parce qu'on fait payer nos clients au poids. On a trouvé ça cohérent. Tous les professionnels qui font des efforts pour moins gaspiller, c'est pas pour l'environnement, c'est pour le côté économique, hein, je vous rassure, hein, tout de suite. Hein. C'est pour payer moins, donc si on jette moins, ben, on s'en rendra bien compte.
Donc tous les efforts faits en amont, si on jette moins derrière, on payera moins. C'est incitatif. Beaucoup d'allers-retours, par exemple, pour amener 7 tonnes à une unité ou un quai de transfert, ben, mes petits camions, ils font 700 kg, l'autre, ils font 2 tonnes, donc beaucoup d'allers-retours, beaucoup de trafic. J'ai fait des bennes de massification, mes petits et mes moyens, ils vignent dedans, on a 7 tonnes de capacité de charge, et j'ai un gros 19 tonnes à gaz qui prend ces bennes-là et qui les emmène vers les exutoires de méthanisation ou les exutoires de compostage. Une gestion numérique, là on est en deuxième version pour être vraiment dans l'intimité. Alors là, j'ai deuxième version informatique, beaucoup de problèmes logistiques, puisqu'un client ne me donne pas 100 kg régulièrement tous les jours, il m'en donne 100 kg un jour, 50 le deuxième, et 400 peut-être le troisième, parce qu'ils ont bien bossé. Donc moi, la capacité de charge de mes camions, beaucoup des fois d'aller-retour, perte économique. Donc là maintenant, mes camions se parlent. Enfin, pas eux qui se parlent, mais c'est l'informatique. Et quand il y en a un qui est plein, il s'en va, il déroute, les autres savent, les tablettes changent, les tournées changent, et l'opérationnalité et voilà, et bien comme ça. On collecte 7 sur 7. Nos clients ont un espace qui leur est dédié. Ils ont un document d'activité de traçabilité, c'est un outil légal à avoir qui est à leur disposition sur leur compte. Ils ont le poids qui est notifié. Si on collecte à 8h, à 9h, ils savent que le poids, quel poids on a collecté. Donc ça, c'est indispensable pour nos clients. La méthanisation, je vous en parle vite fait, mais c'est quoi? C'est de la matière organique sans oxygène. Ça dégage une bactérie méthanogène. Je pense que vous avez tous eu, peut-être pas tous, mais au moins une ou deux personnes dans votre vie, un pot de yaourt oublié ou un pot de crème. Il est bombé. Là, en général, tout le monde dit oui. Si on le perce, ce pot de crème bombé avec un briquet, ça fait du gaz. C'est le même process sous forme industrielle. Donc ce gaz, il est capté. Il est filtré, il est réinjecté dans le réseau pour certains, et pour d'autres, il est brûlé, il fait tourner des cogénérateurs électriques, et l'électricité est repartie dans le réseau. Ce qui reste, ça s'appelle du digesta, c'est un amendement liquide, c'est sous forme liquide. En fait, c'est de l'azote, donc cet azote est mis dans les plans d'épandage, et ça permet aux agriculteurs d'avoir un azote naturel, issu des restes alimentaires, par un azote chimique qu'ils achètent, donc c'est un peu cohérent. Ça marche, hein. La deuxième, ben moi, la source, j'ai démarré avec mes vers de terre. Donc, je me suis dit, j'ai toujours dit que les vers de terre avaient un rôle essentiel sur notre planète. Ils disparaissent aussi dû à l'agriculture intensive, puisqu'il faut savoir que tout ce qui est chargé dans le sol tue tout. Donc, le vers de terre est un animal qui est fourni à 80% de protéines. Donc, quand il disparaît, on touche à toute une chaîne de vie, au-delà d'être les premiers jardiniers de la planète, puisque leur rôle est de créer de l'humus. Ce qu'on a dans les jardins, les gros, ben ceux-là, ils mélangent l'humus qui est fait par leurs cousins à la matière minérale. En même temps, ils font des trous, les racines tombent, l'eau. Bref, la nature est bien faite. Nous, de temps en temps, on s'en sépare. Donc, je me suis dit, l'objectif est de quoi faire. Eh ben, le gaz, ça marche pour faire tourner mes camions. Ça fonctionne, la valorisation. Maintenant, je veux recréer un produit pour renouveler les sols, pour qu'on ait des bons légumes. Donc, notre plateforme de compostage, on a un outil qui désemballe, puisqu'on a des sacs plastiques transparents. Ça sépare la matière organique des matières intrus, surtout le sac plastique. On mélange tout ça avec du compostage. Et à la fin, on fait travailler les vers de terre. Et là, ils viennent affiner la matière, la stabiliser et, organiquement parlant, la rendre beaucoup plus forte et plus riche. L'objectif, bien entendu, de ce compostage est de faire comprendre à tout le monde l'économie circulaire et de rendre tout le monde acteur. Moi, je ne comprenais rien au départ de cette économie circulaire. C'est encore un truc où j'ai eu du mal. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un acteur. En haut, moi, je forme tout le monde. Je capte la matière, je la transforme. Le bon exemple, c'est par exemple Hélior, pour ne pas donner de marque ni de nom, mais il travaille avec des éleveurs de carottes en Ile-de-France. Moi, je collecte les établissements d'Elior, je vais faire du compost, ce compost, je vais le revendre à l'éleveur de carottes, qui les carottes vont retourner dans le resto, qui, moi, je vais collecter. Ça s'appelle de l'économie circulaire. En gros, on va vers une valorisation de matière, plutôt que d'aller dans une contrainte économique aussi environnementale, puisque si on ne la trie pas, elle est mise dans la poubelle classique, elle est incinérée, il y a un coût pour la société. On la sépare, on la met de côté, ça ouvre une nouvelle filière. Et dans la poubelle verte, il n'y aura que des matériaux secs. On va non plus l'incinérer, mais la valoriser. Il y a un revenu derrière. Donc ça s'appelle l'économie circulaire. Et les résultats, il faut parler un peu de résultats, je parle beaucoup. Alors, on a les frites de McLean, qui sont là chez McDo. On a à peu près toute la gamme de la restauration.
tout. Ça va du contrat cadre de chez McDo, Quick Burger, ça va aux très grands restaurants comme c'est Team, on a la ville de la Corse, on a Taïwan, on a plein de grands, on a des écoles, on a des marchés alimentaires, on a Sevran, Pantin, on a quoi d'autre, des hôpitaux aussi, on a gagné des appels d'offres sur les hôpitaux de Paris, on a Necker, Pompidou, on a la COP21, on a été le premier opérateur à collecter la COP21, un événementiel de grande masse, où on a collecté plus de 25 tonnes, ça s'est bref, on a à peu près toute la gamme. Dès qu'il y a une matière organique, qu'elle soit sur un marché alimentaire, dans un resto, quel qu'il soit. Pourtant, moi, je suis restaurant traditionnel. Travailler avec McDonald's, c'était pas simple, au départ. Je vous le dis. Mais là, ça va mieux. On a eu plein de récompenses. On est très fiers d'avoir eu des récompenses. Ça a commencé par PMUP. On a été acteur du Paris durable. On a l'agrément ESUS, entreprise sociale d'utilité publique, je crois. Enfin, j'ai toujours du mal à le dire. Le prix en 2016 qu'on a reçu à Polytech, on était tous très fiers, puisque derrière, c'est organisé par l'ADEME et le ministère de l'Environnement, qui pour nous sont les deux piliers du développement durable en France. On a été lauréat, donc c'était vachement bien. Là, on est lauréat French Tech, pas French Tech, c'est toutes les entreprises françaises qui sont en... Ils doublent leur chiffre d'affaires, ils doublent la création d'emplois, et chaque année, c'est ce qu'on fait. 2014, on a fait 350 000. Après, l'année dernière, on a fait 750. Là, on tourne sur 1,5 million. Enfin voilà, on avance à chaque fois. Le trophée PME Bougeons-nous, ça c'est RMC, c'est Jean-Jacques Bourdin. Alors ça, j'étais fier de passer chez Jean-Jacques Bourdin le matin très tôt, c'était très bien. Et on a été élu, pareil, au prix de la finance solidaire. Voilà, en gros, on a collecté 7500 tonnes depuis le début de cette aventure. On a plus de 400 points de collecte sur Paris et l'Île-de-France. Notre cœur de métier, c'est vraiment uniquement la gestion de la matière organique et le reste alimentaire. On ne fait que ça. On a à peu près l'équivalence de 100 000 repas par jour à collecter, c'est à peu près ce qu'on fait. L'équivalence gaz énergétique, c'est 300 000 mètres cubes de biogaz. Alors bon, mes gars, ils me disent, ça fait 200 fois le tour de la planète en GNV, mais je leur dis, mais il n'y a pas des stations de gaz naturel partout, donc on ne peut pas faire le tour de la planète avec une voiture qui marche au gaz. C'est pas possible. Mais c'est des équivalences, et on a créé, ça c'était hier, c'était 25, aujourd'hui c'est 26, si j'en ai créé un nouveau encore, là, j'arrête pas. Et voilà l'équipe de Mexicains qu'on est. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ben, merci à tous. Alors, je vous rappelle qu'il y a des paniers repas. On teste cette fois-ci des nouveaux paniers repas végétariens parce qu'on s'est dit qu'il fallait être un petit peu dans le temps de la conférence. Qui sont faits par le Réchaud, qui est une association... qui met l'expérience au service des réfugiés en leur proposant des repas et en animant des ateliers de cuisine. Donc on est très preneurs de vos retours. On vous rappelle que s'il reste des paniers repas, vous n'êtes pas obligé d'en manger deux. C'est le chaînon manquant qui les récupère. Donc on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Et on vous donne rendez-vous le 15 février pour la prochaine conférence qui sera sur le thème des énergies propres à un coût abordable. Vous pouvez prendre en sortant des plaquettes à la fois sur les ODD et sur ce que propose BNP PAM sur l'alimentation durable. Merci beaucoup.